Ancienne mannequin, Ivana Trump était principalement connue pour avoir été l'épouse du célèbre homme d'affaires Donald Trump entre 1977 et 1992, avant que ce dernier ne soit élu président des États-Unis en 2016. Durant leur union, le couple a donné naissance à 3 enfants, Donald Trump, Jr. Ivanka Trump, et Eric Trump. Mariée à 2 reprises après avoir divorcé de Donald Trump, Ivana Zelnikova, de son nom de jeune fille, est morte le 14 juillet 2022, à l'âge de 73 ans. Elle a été retrouvée inconsciente et sans réaction au bas d'un escalier, avant de rendre son dernier souffle au sein de son appartement de Manhattan, à New York. Si c'est Donald Trump qui a publiquement annoncé le décès de la mère de ses enfants via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les obsèques d'Ivana Trump se sont déroulées en grande pompe le mercredi 20 juillet 2022 à New York. De grandes compositions florales faites de roses étaient installées à l'intérieur de l'église dans laquelle a eu lieu la cérémonie, comme l'a rapporté le New York Post. Au total, pas moins de 100 invités ont été conviés aux obsèques de l'ancienne mannequin. Par ailleurs, une copie agrandie de sa couverture du magazine Vanity Fair, datant de 1992, faisait aussi partie du décor. Obsèques d'Ivana Trump, aucun mot de la part de Donald Trump pour l'occasion, toute la famille Trump était réunie à New York, afin de rendre un dernier hommage à Ivana Trump. Le fils cadet Eric Trump a notamment décrit sa mère comme étant l'exemplaire parfait du rêve américain durant son discours. Un mélange de Joan Rivers et Claudia Schiffer, a-t-il souligné. Ivanka Trump a aussi pris la parole en relatant la vie de sa mère, qui en grandissant ne m'a pas dit ce qu'une femme pouvait faire, mais elle me l'a montré. C'était une pionnière pour les hommes et les femmes. Ma mère m'a dit un jour qu'il n'y avait rien qu'elle ne pouvait pas faire avec des talons. Elle nous a appris à harponner le poisson puis à cuisiner ce que nous avons pêché. Ma mère a élargi nos horizons, a-t-elle ajouté en larmes. Pour sa part, Donald Trump, qui était venu accompagné de sa femme Melania, n'a pas prononcé de discours. Ivana Trump fut ensuite inhumée au cimetière du Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey.